Bonjour à tous, les jours se suivent et se ressemblent et c'est vrai que les conditions sont un petit peu tristounettes pour terminer l'année avec certes un anticyclone qui nous protège, donc on n'a pas de grosses perturbations, mais l'humidité est quand même piégée dans les basses couches et c'est comme ça sur toute la moitié nord de la France. Regardez le décor que l'on va retrouver d'ailleurs aujourd'hui et ces prochains jours avec ce ciel tout gris, le soleil aux abonnés absents. Ce sera le cas donc encore une fois ce matin. Attention peut-être par endroit, notamment dans les campagnes franciliennes, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit peu de brume ou de brouillard qui réduisent la visibilité. Si vous prenez le volant, prudence. Température positive grâce aux nuages. C'est vrai qu'on n'a pas de gelée. On n'aura pas à gratter le pare-brise, ça c'est sûr. Avec 7 degrés pour ce matin à Paris, 6 à Cergy dans le Val d'Oise ou encore 3-4 degrés pour le sud de la Seine-et-Marne. Et dans le courant de l'après-midi, ça reste globalement doux. On est même légèrement au-dessus des normales de saison puisque normalement pour un 14 décembre, on a 7 degrés à Paris. On en aura 8 cet après-midi. Le maximum à Cergy de 9 degrés. Pas de jaloux, côté ciel, encore cette grosse couche nuageuse sur l'ensemble des départements franciliens et de la moitié nord d'ailleurs. Alors regardez l'éphéméride du jour, même si on ne verra pas le soleil, nous perdons encore une minute d'ensoleillement. Il se couchera à 16h53 et nous fêtons les Odiles en ce 14 décembre. Bonne fête à vous. Pour la suite du programme, j'ose à peine vous montrer, la voici. Alors ça, c'est vrai que les jours vont se suivre et se ressembler tristement avec cette grisaille encore présente pour demain, pour jeudi également. Bon, des températures à un bon niveau quand même, plutôt agréable, hein. On n'aura pas trop à se couvrir, ce ne sera pas vraiment hivernal. Ça va baisser un petit peu pour vendredi avec la levée de la bise, un flux de secteur nord-est. Donc du coup, il fera un petit peu plus frais, mais ça aura tendance à dégager un petit peu le ciel, un petit peu. Donc on pourrait avoir quand même quelques trouées de ciel bleu pour vendredi. Et pour le prochain week-end, on va justement surveiller la dissipation de ces nuages qui pourraient être un petit peu plus franches hein, quand même pour dimanche. On peut espérer retrouver de beaux rayons de soleil. Par contre, si vous décidez de vous balader pour profiter de ce soleil dimanche, il faudra se couvrir davantage avec toujours ce vent de nord-est. Les températures vont de nouveau baisser. Ça annonce un peu plus hivernal avec 1 degré à Paris le matin, 5 pour l'après-midi.